Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir à l'Alpe Aventure Moto Festival avec une moto un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on a là une nouveauté mondiale. Elle a été présentée en début de semaine, elle est déjà sur le salon de Barcelonnette, salon dédié aux aventuriers en trail et en GT. Et bien elle est là, cette nouvelle Suzuki Vestrom DE 1050. Cette nouvelle Suzuki Vestrom. En fait, toute la gamme 1050 a été revue. Il y a des petites optimisations un petit peu partout au niveau des soupapes d'échappement afin de réduire un petit peu la chaleur que procurait ce moulin. Et à côté de ça, ils ont créé la version DE. La version DE, c'est la version off-road. Ça y est, enfin, on a une Vestrom qui est taillée pour aller dans les chemins. Ça commence par quoi? Ça commence par une roue de 21 pouces à l'avant. Ça commence également par une montre pneumatique un petit peu spécifique. On est sur du Dunlop Trail Max Mix Tour. À côté de ça, la fourche Kayaba, elle a gagné 10 mm de débattement. Aujourd'hui, on est à 170 mm de débattement, alors qu'à l'arrière, on a un débattement de 169 mm pour l'amortisseur. Fatalement, la garde au sol s'améliore. C'était un petit peu touchy avant. On avait quand même un trail qui était très routier. Donc on passe de 190 mm au lieu des 165 mm qu'on avait auparavant. Ce qui change également, c'est la hauteur de selle. Maintenant, on est à 880 mm alors qu'on est à 855 sur la version standard. Autre changement, le bras oscillant rallongé, renforcé. Du coup, on a un empattement qui a augmenté également. On a gagné 4 cm pour aujourd'hui arriver à 1595 mm. Ça devrait assurer justement une bonne stabilité sur les sols meubles. Et puis cette année, au niveau du freinage, de l'ABS, maintenant on va pouvoir totalement libérer la roue arrière. Ça aussi, les amateurs de tout terrain devraient apprécier. Comme la protection moteur. On est passé sur un vrai sabot, je ne sais pas si vous avez vu, alors qu'avant on avait une protection qui était plastique. On a également une évolution au niveau des crash bars, au niveau des repose-pieds qui sont un petit peu plus larges. Voilà. Avec toutes ces modifications, elle a pris un petit peu d'embonpoint. 10 kg, on a 252 kg TPF. La standard, elle reste à 242 kg. Et au niveau des performances, on conserve les 107 chevaux et les 100 Nm de couple, soit un moteur à taille humaine, c'est appréciable. On vous dit à très bientôt pour un essai de cette belle bête. Oui.